Bonjour à tous. Moi, ce que je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de prises de parole qui ont été faites déjà, je voudrais vous lire quelques passages de nos différents communiqués de presse qu'on a rédigés chaque jour depuis jeudi, qui reprennent quand même un grand nombre de cas et de nos revendications. Donc, j'ai pas bien écouté ce que Gérard vient de dire, mais aujourd'hui, c'est quand même après l'expulsion 240 habitants de la zone libre qui sont accueillis dans des lieux d'hébergement d'urgence. Alors, des hébergements d'urgence collectifs, comme à Darwin Solidarité qui a mis en place un accueil en moins d'une journée pour 65 personnes, donc couchage et repas compris, dans un gymnase encore une fois mis à disposition par la ville de Bordeaux. Qui accueille près de 40 personnes. Ce gymnase est ouvert pour l'instant jusqu'à lundi, mais ce sont des solutions d'urgence collective qui ne sont pas forcément adaptées par rapport à la situation Covid, mais qui permet vraiment à tous d'être accueillis dignement, au chaud, avec un toit. Il y a aussi de nombreux squats qui ont encore répondu présents et qui poussent leurs murs pour accueillir toujours plus et un plus grand nombre de personnes qui est à la rue. Et un réseau énorme de citoyens hébergeurs solidaires. Donc, nous, ce qu'on dénonce, c'est que ces personnes étaient installées depuis 16 mois sur la zone libre. Ils étaient tous connus des services sociaux depuis des mois. Ils avaient engagé des démarches sociales. Nombreux avaient des titres de séjour. Ils étaient intégrés dans le tissu girondin. Et quand on parle intégrés, on parle en termes de scolarité. 110 enfants étaient dans des écoles, des collèges, des lycées, inscrits dans leur scolarité. Au niveau du travail, plusieurs et nombreux d'entre eux avaient même des CDI. Au niveau de leur santé, nombreux avaient des pathologies lourdes et ont des pathologies lourdes et avaient des suivis médicaux lourds engagés dans les hôpitaux de Bordeaux Métropole. Il y a une dame qui a une grave maladie qui était montée dans un bus, qui est sortie au dernier moment en se disant « c'est pas possible, je ne peux pas interrompre mon traitement comme ça ». Des messieurs, pareil, avec des gros traitements, des traitements qui nécessitent d'aller à l'hôpital plusieurs fois par semaine, étaient aussi montés dans les bus et pris de panique. Au dernier moment, sont descendus des bus alors qu'ils avaient été mis dans des bus pour aller à Guéret ou à Limoges. Des personnes qui étaient encore intégrées dans le tissu girondin au niveau de leur réseau social, leur réseau amical. Le refus de la préfète d'appliquer l'instruction gouvernementale de janvier 2018 sur la résorption des squats et des bidonvilles l'a amené encore une fois à faire des propositions inadéquates et inhumaines. Il n'y a aucune volonté politique d'accompagner ces familles dignement et elle a confondu un diagnostic social qui est pourtant obligatoire du fait de cette instruction avec un comptage policier. Un comptage policier n'est pas un accompagnement social des démarches des personnes. Aujourd'hui, voilà, des personnes ont pu être envoyées à 3 heures de Bordeaux et on a bien peur que les personnes qui ont été envoyées sur des solutions non pérennes soient maintenant de retour à Bordeaux. Donc les 240 personnes qui sont actuellement, qui ont un toit grâce à la solidarité que je viens d'énumérer, on a peur qu'il y ait d'autres familles maintenant qui rentrent des endroits où la préfecture a voulu les envoyer. Encore une fois, ce qu'on dénonce, c'est que certaines personnes, par contre, qui avaient des titres de séjour ou qui sont demandeurs d'asile, ont été envoyées sur des dispositifs adaptés. On peut les compter sur peut-être entre 20 et 30 personnes. Donc c'est des bonnes propositions, effectivement. Mais pourquoi ces propositions interviennent encerclées de 150 policiers à 6h du matin, au moment où les personnes subissent un traumatisme et un stress énorme. Donc c'est ça qu'on dénonce. Si on veut accompagner ces gens étaient connus. On peut les accompagner dignement sur leur parcours en prenant en compte leur démarche sociale et sanitaire. Voilà pour là. Je pense qu'on a fini notre dernier communiqué de presse, donc celui d'hier soir, avec des phrases assez fortes. Tout être humain a droit à un chez-soi. Et là, on parle bien de la cause de tous les sans-abri, et pas simplement des personnes migrantes. Ne pas permettre aux gens d'accéder à un toit est une violence institutionnelle. L'en priver avec le concours des forces de police est une violence d'État.
on ne veut plus que ça se passe comme ça. Et merci à toute la solidarité qui existait sur le lieu depuis 16 mois. Mais il faut continuer à dénoncer ces situations inhumaines, car avec un petit peu de volonté politique, il y a beaucoup de choses à faire et qui peuvent être faites pour ces familles dignement. Oh, doucement. Ils sont trop forts là. Ils sont bons.